Bonjour tout le monde. Célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter.
De nous rassembler pour te chanter, pour être avec toi, pour être rempli de ta joie. Merci Seigneur. Amen. Dans la famille, car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes des siens, nous lie toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Confinement en 2020, merci Seigneur de m'avoir sorti de mon train-train, de prendre conscience de mes faiblesses, de revenir sur ton chemin rempli d'allégresse. Et la vie continue, confinée dans ce lieu, toujours soutenue par la grâce de Dieu. Oui, la vie continue, confinée dans ce lieu, toujours soutenue par la grâce de Dieu. Ces âmes parties d'ici vers l'au-delà, pétrifiées, terrifiées, sans soutien de leurs proches, abandonnées, telles et pareilles, que votre âme à jamais puisse reposer en paix. Et la vie continue, confinée dans ce lieu, toujours soutenue par la grâce de Dieu. Oui, la vie continue, confinée dans ce lieu, toujours soutenue par la grâce de Dieu. Et confinée, au mois de mai, enfin mon Dieu, nous voilà, on peut se retrouver pour te louer, te remercier, nous retrouver avec toi dans la fraternité. Et la vie a repris dans la joie de l'esprit, liée à toujours par une chaîne d'amour. Oui, la vie a repris
Seigneur, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillants dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Si chacun des maillants dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Thank you.
le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je thank you.
je viens t'adorer, je désire habiter.
l'évangile selon saint Luc. Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Il s'y refusa longtemps. Après quoi, il se dit « J'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne. Néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Et le Seigneur dit « Écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'ils patientent à leur sujet. Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Merci Seigneur pour cette belle journée, pour ces louanges, pour ce temps magnifique, pour cette réunion qui nous amène ici tous dans l'amour, dans ton amour. Merci Seigneur. Amen. Les témoins qu'il y a encore de la foi sur cette terre et que cette foi avance. Et pendant le confinement, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont fait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient encore la foi et d'autres gens mais qui ont redécouvert la foi aussi. Et malgré tout ce qu'on peut entendre, mais moi j'ai trouvé ça magnifique. Parce qu'on n'a pas pu aller à l'église, mais on a pu avoir l'église chez nous. On a pu avoir les louanges chez nous. On a pu avoir des groupes de prière et d'intentions de prière chez nous. Et bien c'était vraiment magique, il a fallu prendre du temps. Et ça nous a un peu obligés à revenir, à nous écouter nous-mêmes et à se nourrir d'autres choses que de la télé. Merci pour ça, Seigneur. Amen. Seigneur, garde-nous ici.
toutes les intentions de prière que nous avons tous dans nos cœurs ce soir, ici présents, mais nous ne nous ont pas forcément prononcées. On va les joindre à ses louanges et à ses prières. Que chacun trouve la paix dans son cœur et l'amour de Dieu. Port-de-Bouc et de Martigues, tous ceux qui vivent de la mer. Nous te prions en particulier pour toutes les personnes qui ont eu à souffrir des éléments de la mer, des personnes qui ont perdu la vie en mer. Par l'intercession de Saint-Pierre que nous fêterons lundi, donne à tous ceux qui vivent de la mer sur notre ville une pêche abondante et un retour sain et sauf au port. Amen. Seigneur, regarde-nous et
marcherai aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la joie. C'est le chemin du Seigneur. Ne veux-tu pas y marcher aussi? Thank you.
ciel. Vierge Marie, ô céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel secours. Toujours, toujours, image de la mer. Bye.